C'est avec une certaine émotion que nous avons appris la naissance de Gérard l'Héritier, l'homme qui va révolutionner le monde des lettres et des manuscrits anciens. Pour le petit Gérard, les années d'après-guerre marquent le début d'une longue carrière qui le mènera successivement de la pêche à la ligne sur les bords de la Meuse, en passant par l'armée française où il s'illustrera brillamment, puis par la conquête de l'espace qui le mènera jusqu'à la fondation de la société Aristophile, fleuron de l'univers des manuscrits rares. Fasciné par les boules de moulin et les ballons montés utilisés lors du siège de Paris en 1870, Gérard l'Héritier commence alors une formidable ascension dans le monde des collectionneurs. Et c'est à Nice qu'il débute modestement son activité en faisant partager sa passion à travers les nombreux ouvrages qu'il publie. Aristophile vient de naître et un brillant avenir lui ouvre ses portes. Regardez maintenant le format qui était pour toutes les lettres le même, elles étaient pliées sur elles-mêmes comme ceci. Je rencontre Pierre Bellemare et il faisait à l'époque une émission de téléachat qui était assez célèbre. Et il m'a proposé de venir présenter à son émission des ballons montés. Et dans la même année, Eve Ruggieri, que tout le monde connaît, me propose de présenter aussi dans une émission de télévision les boules de moulin en bijoux que je venais de créer. Et puis, dans la foulée, en 1993, une télévision japonaise envoie une équipe de tournage à Paris et les Japonais vont s'intéresser aussi aux boules de moulin, aux bijoux boules de moulin. Avec un succès important à Tokyo, oui, dans la distribution du produit. La naissance d'un confrère, le magazine Plume consacré au patrimoine écrit, richement illustré et en couleur. Il s'adresse à tous les passionnés et amateurs d'écriture, de manuscrits et de correspondances, mais aussi à tous les curieux de l'histoire, de la littérature et des arts. Trop à l'étroit dans ses bureaux de Nice, la société Aristophile s'installe à Paris, rue de la Baume, puis sur les Champs-Élysées. Proposer une adresse aussi prestigieuse, c'est vrai que j'ai trouvé ces bureaux bien placés en face du Fouquet's, donc qui était devenu notre brasserie. Non, je plaisante. Coup de théâtre dans l'univers des manuscrits. Le manuscrit préparatoire du texte de la relativité générale est acheté par Aristophile, qui enrichit ainsi sa collection d'une pièce inestimable. Je me suis dit que ce serait bien pour Aristophile d'acheter ce manuscrit, mais j'y croyais pas beaucoup, puisqu'on était encore un peu jeune et puis fragile pour acheter un tel manuscrit. Et je ne sais pas si ça tient des miracles, mais je vais pouvoir acquérir ce manuscrit qui est aujourd'hui encore la pièce majeure pour le musée des lettres et manuscrits. C'est dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, que s'est tenue la première exposition des lettres et manuscrits organisé par Aristophile. Badauds et visiteurs se font alors presser pour contempler les plus belles pièces de la collection. Et cette exposition a eu beaucoup de succès, donc on a renouvelé le test hier. Et ces deux expositions ont été très positives, avec beaucoup de visiteurs. Et là, j'ai pris la décision de pouvoir ouvrir un musée à Paris. C'est aujourd'hui, 18 juin 2004, que s'est ouvert à Paris, rue de Nesle, le premier musée unique en son genre, qui permettra au public d'admirer tout au long de l'année les plus beaux spécimens de documents manuscrits et de lettres autographes. Le seul manuscrit complet du célèbre manifeste du surréalisme sera proposé aux enchères. Il avait été écrit en 1924 par André Breton. Aristophile crée la surprise en acquérant hier chez Sotheby's, pour la respectable somme de 3,6 millions d'euros, l'original du manifeste du surréalisme d'André Breton. C'est estimé à 1,4 million d'euros, je pense que ça fera 2,5 millions, 3 millions d'euros. Ces 9 documents inédits proviennent de la collection de Simone Collinet, la première épouse de l'écrivain. Des ratures originales qui valent de l'or pour définir l'un des mouvements artistiques les plus importants du XXe siècle. C'est avec une certaine émotion qu'ont été rendues publiques les correspondances de l'empereur Napoléon. Au cours d'une remarquable exposition qui s'est ouverte le 2 décembre 2008 aux Invalides à Paris et qui a rassemblé plus de 200 000 visiteurs. Les Invalides ont accepté pour la première fois que soit exposé
à côté de son auteur, donc Napoléon Ier, des lettres qu'il avait écrites quelques siècles auparavant. C'est un manuscrit de 16 pages, écrit de la main même du roi Louis XVI, un original en excellent état, racheté aux États-Unis par un collectionneur français pour plusieurs millions d'euros. Son parcours reste mystérieux. À l'époque, de nombreux Français émigraient vers le Nouveau Monde. Toute la presse est en émoi, et c'est avec un plaisir non dissimulé que Gérard l'héritier peut s'enorgueillir d'avoir rendu aux Français une page effacée de leur histoire. On va certainement me remettre la Légion d'honneur. Bah oui, non, mais c'est vrai, il y en a qui exportent, moi j'importe, donc non, mais c'est vrai que y a des choses qui n'ont rien à faire de l'autre côté de l'Atlantique. C'était quand même une pièce majeure de la République, donc maintenant tout le monde peut le voir au musée des Lettres et Manuscrits. Près de 400 collaborateurs et amis de la société Aristophile se sont retrouvés en ce beau mois de juin 2009 à l'abbaye des Vaux de Cernay. Gérard l'héritier, à cette occasion, a rappelé les valeurs qui ont fait d'Aristophile l'un des leaders mondiaux de sa catégorie et de sa spécificité, celui des lettres et manuscrits. C'est pour ça que les manuscrits, pour moi, c'est capital. Un musée exceptionnel, je l'ai dit, c'est sublime. Voilà, n'ayons pas peur des mots, il est magnifique, il est parisien, ce sera le seul musée parisien de cette chronique estivale. Il se trouve au cœur de Saint-Germain-des-Prés, c'est le musée des lettres et des manuscrits. Les prestigieuses collections d'Aristophile méritaient un lieu prestigieux. C'est chose faite depuis ce 15 avril 2010, où le tout Paris était convié à venir inaugurer le nouveau musée des lettres et manuscrits, situé au 222 boulevard Saint-Germain. On ne peut pas se contenter de garder des trésors pour soi dans une chambre forte, dans un petit salon, qu'il fallait les mettre à disposition, en faire profiter le maximum de gens, aussi bien des professionnels que des amateurs. C'est toute cette démarche qui fait de la société Aristophile, avec son savoir-faire absolument unique, quelque chose qui réussit à faire savoir ce qu'est le culturel et l'écrit en France et dans le monde. Je pense qu'Aristophile a un bel avenir européen et peut-être international. L'avenir nous le dira.